C'est une bonne nouvelle, Thierry Sanda, président du 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge des affaires courantes, a annoncé vendredi 9 avril que les Calédoniens pourront retrouver une vie normale dès dimanche à partir de 5h du matin pour que les internats puissent accueillir les élèves, a-t-il précisé. Il a aussi rappelé que le risque zéro n'existe pas et que nous devons tout faire pour continuer à améliorer nos pratiques pour être plus efficaces contre un éventuel risque. À noter que cette levée de l'ensemble des contraintes permet dès dimanche matin les rassemblements. Chaque Calédonien pourra retrouver ses habitudes culturelles et festives sans qu'il y ait besoin d'appliquer de contraintes. De même, il ne sera plus obligatoire de porter un masque dans les lieux publics ou au travail. Enfin, 100 000 doses du vaccin Pfizer doivent être livrées à la Nouvelle-Calédonie d'ici la mi-mai. C'est une bonne nouvelle. 负责新克里多尼亚日常事务的第十六届政府主席桑塔于4月9日星期五宣布，克里多尼亚人将能够从星期日凌晨5点恢复正常生活。寄宿学校可以接纳学生。他说，不存在零风险，我们必须竭尽全力继续改进我们的做法，以能够更有效地应付可能出现的风险。 从周日起，人们可以聚会。每个克里托尼亚人将能够重新按照他们的文化和节日习惯生活，无需任何限制。他们也不必在公共场所或公司戴口罩。5月中旬，10万剂辉瑞疫苗将被运送到克里托尼亚。 N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour recevoir de nouvelles émissions. 大家好，敬请订阅并点击小铃铛。